Eh bien, salut à tous. Donc, retour de Mailbox. Voilà, donc la petite présentation. J'ai fait beaucoup d'huile parce qu'il y a eu un retard aux douanes. Le colis a été ouvert, donc j'ai eu un peu peur de surpayer des douanes, mais ça n'a pas été le cas. Et puis, bon, c'est-à-dire que le colis, hop, le décor foucan s'est mis juste comme ça à l'arrache. C'est un peu le bazar sur la table. Madame prépare son futur cabinet de psychologue en libéral. Donc le colis avait été retardé, donc ça a mis plus de 10 jours à arriver au lieu de 3 jours initialement prévus. Un petit peu peur, beaucoup d'huile, mais finalement tout s'est bien passé. Donc voilà, je vais faire la première partie avec les sports un peu mineurs, c'est-à-dire les on s'en branle, comme le baseball. Et puis donc là en fait ça va être le foot américain, baseball, des retours de break, et puis ensuite je ferai une deuxième partie Barclay. Donc ça, je crois que c'était Mehdi qui avait eu un truc du style. J'ai découvert ça tout à l'heure en ouvrant. Dans un de ses colis, c'est je sais pas qui offre ça du coup. Avec cette espèce de truc présentoir là. Après-midi, ça a été très bien sorti. Mais lui, il est à l'éducation nationale. Ça paraît normal qu'il s'en sorte. Enfin bref, je vais pas le péter. Ouais, voilà. J'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà, un petit bonus pour une fois, c'est moins chiant que des cartes. Donc on va commencer par Tortue Ninja, le petit kiff du moment. Donc ça c'est les autographes qu'il y avait dans une box, enfin, je vais vous montrer, ça va suivre. C'est Sketch Cards, donc One of One, pardon. Donc là Shredder, illustrateur Tim Sheen. Voilà. Là, bah, c'est celle que je voulais le plus un peu, puisque c'est l'un des deux créateurs. Donc la carte est sympa. Enfin, moi j'aime bien. Alors désolé pour la lumière, pour ma voix comme d'hab, mais la lumière c'est un peu fermé là vu qu'il fait un peu chaud, un peu lourd en Dordogne. Donc voilà, autographe Kevin Eastman sur 99, impeccable. Et donc je me suis commandé la boîte, la box. Donc c'est le set complet, c'est déjà ouvert. Il n'y a pas de sketch card ni d'autographe dedans. Hein. C'était bien mentionné dans l'annonce, mais c'est le set complet, c'est très bien présenté. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gros la boîte. Ça m'a un peu surpris. Donc voilà, le set Tops de TMNT, Art of TMNT, sorti en 2019. Donc qui contenait donc le set complet, et à chaque fois un autographe et une sketch card. Donc je vais poursuivre avec ça, c'est du retour de break sur les D-backs, sur des cases que j'avais fait donc chez le breaker américain chez qui je fais le plus souvent, la Beast. Et où il y avait un mix entre des cases élites, donc Panini, donc non licenciés, et les Top Series 1 de cette année. Donc en élite, plus je vous rappelle, j'avais été plutôt bien servi. Donc ça, voilà, il y avait, hop, j'avais dû faire des petits, ah ben j'avais dû faire des petits, voilà, ils avaient un peu mélangé. Là, il y a de la NFL avec les Panthers, et donc un rookie des Cardinals, des D-backs, Tommy Troy sur 25, jersey, autographe, voilà. Toujours sympa de choper des petites cartes un petit peu jolies comme ça dans les breaks, quoi. C'est pas non plus. Donc là, c'est la box retour de break. Donc il doit y avoir, ben, ça doit être un petit paquet de base des D-backs, ça aussi. Parce que effectivement j'avais fait bah, du coup pour pas avoir de regrets entre guillemets, ils avaient séparé ça, la case, en deux parties, donc une case élite et une case top series 1. Donc j'avais pris les deux parties. Alors ça tombe bien, Corbin Carroll, voilà. Ça c'est, bah, je vais le mettre avec le tas de Corbin Carroll. Gabriel Moreno en brand challenge, voilà. Donc beaucoup, je pense qu'il va y avoir beaucoup de doubles, beaucoup de cartes difficiles à virer. Ça, alors ça, je sais pas, ça va être un pack bonus. Les fameux packs bonus qui servent à rien. Ouais, je vois ça comme un cochon. Avec une récon de Herbert Jones et une Jam Master de Kittles. Voilà. Ça, c'est clairement pas pour moi. Ça, c'est encore retour de break avec du Jets pour Sauce Gardner, notamment. Et du D-Bag. Bon, je pense pas qu'il y ait grand chose d'intéressant là-dedans. De mémoire, je crois qu'à part. Je crois que j'ai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, donc ça, c'est pareil. Ça doit être du bonus. Bah, c'est bien. Ça sert à caler en fait la petite boîte qui contenait le retour de break, je pense.
Parce que ouais, je vois du Julius Randle. J'ai jamais fait de break ni Randle ni Nix. Je suis pas désespéré à ce point-là. Alors. Voilà. Voilà. Bon, même mettre du Kelly Oubry. Même du Kelly Oubry. Je ne sais pas. Les gens sont vraiment pas bien, quoi. Bon, là, il y a du Cam Newton, donc c'est déjà un peu mieux. Du Julius Peppers. Ça, ça va m'intéresser pour la PC Cam. Pas sûr d'avoir. Qu'est-ce qu'on a là? Ben là, c'est pareil. Je sais pas ce que c'est, ce lot. Donc, c'est... Bonus aussi. Je vais zapper, hein, parce que... Donc, hop. Mascotte dans le set. Voilà. Là, je vois qu'il y en a une slivée dans celle-ci. Retour de break. Donc, ça doit être peut-être intéressant. Hop. Je vais voir comme ça. Ça ira plus vite. Qu'est-ce que c'est qui peut être slivé? Ouais, c'est des inserts. Voilà. En Jets. Petit rookie. En Giants. On a essayé d'aller chercher de l'auto. Notamment Lawrence Taylor. L'ex-défenseur des Giants. Voilà, donc je vais passer à ce qui était plus attendu. Good Vibration. Je crois que j'avais pas eu d'autres autographes. Je vais vérifier ça de suite. Les breaks remontent un petit peu. Ah, ça va être les inserts, les parallèles. Voilà, mascotte, Zach Gallen, Walker, Corbin Carroll. Toujours bon pour la PC. Celles-ci qui sont sympas, To The Moon. Toujours du Corbin. Nickel. Hop, je vais mettre avec les deux autres. Mais justement, je vais passer. Avant de passer à Corbin Carroll, deux petits trucs. L'auto Paige Turco dans la mouvance Tortue Ninja, puisque c'est elle qui joue le rôle d'April O'Neil dans le 2 et le 3, notamment des films, des anciens films, pas les actuels. Et bien sûr, le superbe patch représentatif de notre groupe, c'est une James Caney. Sur 25, voilà. Je sais pas qui c'est, hein. J'ai même pas cherché, c'est juste le H qui m'intéressait, forcément. Donc en Corbin Carroll, qu'est-ce qu'on a? Action Star, c'est de la rookie, une petite jersey Holiday, donc Not Associated bien sûr, je suppose, comme d'habitude avec Tops en général. Player Worn, voilà, donc il a dû mettre un polo de Noël. Un petit auto en ligue mineure, Hillsborough Ops. Celle-ci que je trouve très jolie en chrome, Spotlight, en effet très jolie, iconique. Ah oui, alors j'ai pas eu le temps encore de virer tous les petits sparadraps. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Alors ça, du coup, c'est du retour de break. On va voir. Je vois qu'il y a une jolie parallèle red sur les Big League. C'est pas du Série 1, là c'est Big League. C'est les parallèles les plus cool, entre guillemets. Voilà, donc Big League en red. Et un petit jersey de Tommy Troy, comme tout à l'heure, en élite. Le rookie, encore une Chris Paul. Ça va finir à la poubelle. Alors, une Série 1 en aqua parallèle. On a une Tops. Je sais plus ce que c'est, Finest ou je sais plus, Gamers. La Allen and Ginter en rookie card. Là, c'est Série 1, 35e anniversaire, avec le petit trophée, rookie de l'année. Home Run Challenge. Sans, si je dis des conneries, les experts des sports ensemble me corrigeront. Une Tops Chrome Black. La Shell Hackhead. Un rookie, j'aime beaucoup celle-là aussi. Je me suis un peu embêté à la trouver, pas trop cher. Donc là, ça devait être un lot. Un lot avec Stars of MLB, la Blueprint et celle-ci en Tops Heritage. Hop, où il y a d'autres. J'ai d'autres variantes, semble-t-il. Ce serait bien. Hop, voilà. Ensuite, celle-ci. Rookies of the Year Favorites. Très, très sympa. La Rookie en Holiday. New Money. Format billet de banque. C'est très rigolo, j'aime bien. En Rookie Card. Format Tobacco Card. Pareil, Rookie. Allen Ginter. Tops Blue en Rookie. Celle-ci avec un morceau de batte.
pas de Dunkey, hein, mais un morceau de Bad Clubhouse Collection, donc Tops Heritage. Alors, ils mettent Used Memorabilia, et là-dedans, ils mettent Note from Any spécifique, machin, machin, machin. Donc, voilà, ça se trouve, c'est une batte qu'ils ont filée à leur chien pour qu'il la ramène, mais c'est pas grave. Donc, là, toujours en Tops, National League Champion, Future Star, en Tops Chrome, New Age Performers. Celle-ci aussi qui est très jolie avec le logo au dos. City Sticker dans les Big League, toujours. Donc celle-ci, on l'a déjà vu, je l'ai en double. Rookie Debut, en Topps Chrome. Et D-Backs Topps Heritage en Blue Sparkle. Voilà. Donc ensuite, il y a quelques petits autos. Donc Diamondbacks, Gabriel Moreno en 5 Star. Très joli. Alors attendez, donc ça, parce que je trouvais ça très marrant, puisque Diamondbacks, c'est un serpent, du coup, d'Arizona. Un auto d'Alec Thomas, Diamondbacks aussi. Et ça doit être dernière poche de retour de break, donc avec Emmanuel Rivera. Je ne sais pas quel est ce parallèle, ça ressemble à du militaire. Kevin Ginkle et Bryce Jarvis. Voilà, je l'ai mis là d'ailleurs, ils n'ont rien à faire là. Et voilà pour ça. Ensuite, côté NFL. Alors, côté un peu fourre-tout. D'abord, alors un petit auto très sympa à 2,50 € Maurice Chicks en panini noir pour la NBA. Un petit auto, donc ça c'est Auburn Alumni comme Barclay, donc Okoro et Tank Bigsby en NFL. Un auto, donc Immaculate de Bob Pettit. Voilà. Omega, comme disent les nouveaux. L'auto très sympa de Larry Johnson, avec la photo, j'aimais beaucoup la photo et ça m'a pas coûté cher. Et une petite carte de foot de George Best, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Manchester United. Donc NFL, il y a du Bryce Young. Alors là, c'est Jersey avec Vinny Testaverde, déjà vu en Illusion. Donc notre bande spécifique. Donc là, c'est pareil, j'ai du retour de break. Voyons voir, je ne me rappelle plus. Il y a une très jolie, je sais, Bryce Young, celle-ci. Illusionniste. Un Panini Illusion sur 399. Celle-ci aussi, Opération Détonation, qui je trouve est plus réussie en fait sur ce format NFL que le format NBA, clairement. Bon, mais ça, c'est encore autour de break. Donc Elite, donc j'avais eu un autre auto, Caden Grice. Une autre Bryce Young numérotée, sortie en break sur 199. Blue en plus pour les Panthers, nickel. Et donc j'avais sorti aussi, a priori, un petit jersey de Breece Hall, voilà, des New York Jets, toujours non affilié, mais plutôt sympa à toucher en break. Ensuite, donc, je vais passer donc à Cam Newton, donc ma PC principale en NFL. Donc déjà, je vais sortir ça. Voilà, ça c'est. Ça, c'est mon premier achat chez Propstein, pour lesquels j'avais le plus de doutes, enfin, craignais le plus de faire des achats, parce qu'ils avaient la réputation d'utiliser des faux comptes pour gonfler les enchères, etc. Et qu'il y avait parfois des soucis, mais tout s'est bien passé. Sauf là pour ouvrir, pour réussir à enfin avoir la carte. Allez, on va y arriver. Tiens, je vais y arriver. Allez, est-ce que ça va bien? En plus, je profite de faire la vidéo tant que les petits sont pas encore entrés. Donc, qu'ils sont pas en train de s'écharper. Ça ne crie pas partout dans la maison. Même s'ils ne vont pas tarder à rentrer. Voilà. Allez, en plus, je vais la garder. Ouais, peut-être pour la fin. Donc, une petite score rookie, je crois. Ouais, rookie. Rookie, c'est la score en rookie. Simple, ça c'est la suite, la poursuite de mon Rainbow pour laquelle j'ai la One of One. Oui, je crois que de mémoire il en manquait 3 et les plates du coup. Donc, ça c'est version green. Une petite Pro Bowl, donc ça c'est les commandes comme si, et c'est vachement pratique pour avoir le détail des cartes si jamais. Carolina, Huddle, Illusion, alors matching numbers avec Warren Moon. Sous le maillot des Oilers, donc toujours dans le Rainbow, la True Blue sur 49. Voilà, ça c'était un petit lot avec cette très chouette prisme d'époque verte Nitro comme ça en die cut. Donc la prisme, celle-ci aussi
Cornerstone, Humble et Air Marshall que j'ai déjà, mais bon, ça faisait partie du lot. College Ties avec Bo Jackson et donc Cam Newton. Une Certify Red Foil. Donc j'ai pas énormément de cartes Newton ce coup-ci, mais je vais choper au moins celle que je voulais absolument. Donc déjà, il y a ce rookie patch auto sur 299. Voilà. On card. Donc c'est les. Pardon. Voilà. Player worn. Il y a donc cette Shadowbox Exquisite Cam Newton. Donc je sais pas si on va bien voir l'auto. Parce qu'en fait, alors j'avais jamais vu des Shadowbox de ce type. Avec le. Je sais pas si vous le verrez avec la caméra. Vous voyez là, c'est. Ça fait une espèce de petit monticule, enfin comme une visière dans la carte. Et donc voilà, Shadowbox. Et donc l'autographe est à l'intérieur et pas sur la carte, il est à l'intérieur. Donc sous maillot Auburn. Et donc la carte que j'avais raté deux fois, donc il y en a plusieurs, puisque celle-ci elle est. Non, même pas numérotée, non. Mais qui pour le coup, quand on parle de pièces d'histoire, prend tout son sens, c'est cette Panini. Super Bowl 50, donc le Super Bowl des Panthers, perdu par les Panthers contre les Broncos. Mais du coup, dessus, dedans, c'est un morceau de ballon utilisé pendant le Super Bowl 50. Donc là, c'est vraiment, c'est une pièce que j'adore. Enfin, c'est une carte, la carte n'est pas spécialement, enfin, le design et tout n'est pas ouf. Mais d'avoir ce petit morceau de ballon Game Used Super Bowl 50, je trouve que en plus dans la collection de mon joueur, je trouve que c'est... C'est hyper intéressant et j'étais vraiment très très content d'avoir réussi à enfin choper cette carte que j'avais déjà ratée. Et pour finir, donc on va passer au foot avec Kanto. Donc cette petite short print en tops, c'est UCC, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement la série. Une adrénaline XL de cette année, Legend, avec l'autographe imprimé. Une petite Futera. Trequarista, voilà, avec un morceau, donc sur 20, une pièce de son survêtement match international contre l'Espagne au Parc des Princes en 91. Une short print en prisme, la manga, voilà. C'est là aussi, très content de la choper. Très jolie pièce pour la PC Kanto. Et un auto pristine, tops pristine du coup, les tops pristine de l'Euro. Voilà, le joli auto du Kanto sur 99. Bon, ce qui est dommage, voilà, c'est ça, effectivement, c'est que pour 4 équipes, Tops n'avait pas les droits. Donc, on se retrouve avec ce truc dégueu un peu là. Mais bon, moi, je vais pas cracher dessus. Donc, voilà pour la partie mix d'un peu tout. Et donc, je vous retrouve dans la deuxième vidéo. En fait, ça va dépendre dans quel sens vous allez la regarder, bien sûr. Consacré à la PC principale, donc au gros Charles. À tout de suite.